sends and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Spirit supernatural, a shy, what's all the fuss? The bags of bones seem so unsafe, it's semi-serious. Spooky, scary skeletons are silly all the same. A smile that scrabbles slowly by and drive you so insane. Sticks and stones will break your bones, they seldom let you snooze. Spooky, scary skeletons will wake you with a ouais, trop bien! La fête d'Halloween va être super! Ouais! D'ailleurs, Gaufrette et Clapou vont bientôt arriver! Oh oui! J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils ont préparé pour Halloween! J'espère que Gaufrette aura fait ses zombie cakes! Je les adore! Bah, je peux pas en dire autant puisque tu les as tous mangés l'an dernier! Oh! Ça sonne! Ils sont déjà là! Ah oh non, pas elle! Salut les vermisseaux! Alors comme ça, vous organisez un goûter sans moi? Je vous rappelle qu'Halloween, c'est ma fête! Parce que c'est moi, la reine du mal! Reine du mal, reine du mal? La reine de l'incruste, ouais? Oui, en plus tu triches. Toi, avec ton costume, on dirait que t'es déguisée toute l'année. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, Mandragotte? J'ai entendu dire que certains avaient eu de nouvelles tenues et que ces petites faces de citrouille qui nous regardent aujourd'hui allaient tous se déguiser pour Halloween. Moi aussi, je veux un nouveau look! Allez, c'est parti! Fabriquons ma tenue ultra bling bling! Waouh! J'adore les plumes! Le chapeau, incroyable! Burk, ça sûrement pas! Les boucles d'oreilles, je veux! Waouh! Je vais être fabuleuse! Gucci, lance ma chanson! 5, 6, 7 et 8! Dans toute histoire, de conte de fées, il y a une sorcière mal aimée. Ici c'est moi qui ai endossé le rôle de la détestée. Je voudrais me transformer comme des princesses l'ont déjà fait, en robe de bal pour aller danser pour enfin être acceptée par de nouveaux copains. Acclamez-moi, Mandragotte la sorcière. Grâce à ma potion magique, je vais enfin vous plaire. Ne surtout pas lire la recette à l'envers. Une maladresse pourrait me coûter cher. Œil de lézard, pique, hérisson, langue de vipère. Quel gouverneur! La potion de Mandragotte la sorcière. Jojo, c'est toi qui sens le poisson? Arrête, Alex! C'est pas le moment de rigoler! Je sais où on est! C'est la Niña, le bateau du terrible pirate Barberousse! Vous êtes des petits malins, vous! Je vous ai téléporté à Farfarol! Et devinez quoi? Vous ne pourrez voyager que chez mes amis les méchants! Ouais. Si vous voulez sortir d'ici, il n'y a qu'une chose à faire! Confectionnez-moi une nouvelle tenue à la hauteur de ma méchanceté. Bon, allez, bonne chance les nazes. Appelez-moi quand ma robe sera prête. Oh là là, mais comment allons-nous trouver tous ces objets? Bon, on récapitule. Il nous faut une plume violette, un chapeau de sorcière et des boucles d'oreilles ultra bling bling. Ok, vous voulez bien nous aider les amis? Super! Nom d'une guibole en bois!
C'est quoi ce bazar? Que faites-vous sur la Niña? Vous pouvez la prendre en otage. Elle fait super bien la vaisselle. Alex! Au diable vos excuses, les marins d'eau douce. Si vous voulez sortir d'ici, il faudra réussir mon challenge. Oh non, pas la planche au requin! Qui a parlé de requin? Nous allons danser! Ah bah d'accord. Barbe Rousse, le baratineur, des bassons blabla de beaux parleurs. Celui qui veut s'enrôler avec lui doit s'attendre à de gros ennuis. Pas un mentor, mais un menteur. C'est sûr, il promet de belles heures. Mais pour vous dire la vérité, tout ce qu'il veut, c'est se venger. Au diable, jeune pousse, pas de marin d'eau douce, moi j'ai besoin de vrais corsaires qui ne connaissent pas la frousse. Quand on les éclabousse, je n'engage que les loups de mer. Allez, sortez vos trousses et ouvrez le Larousse. Cherchez bien dans le dictionnaire au nom de Barbe Rousse. Et là vous saurez tous que je suis pas là juste pour vous plaire. Par ma guibole en bois, embarquez avec moi. Mon bateau, la Niña, c'est ton nouveau chez toi. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. Bien joué, Alex. Nous avons la plume. Il ne nous manque plus que le chapeau et les boucles d'oreilles. Bien joué, les nulos. Vous êtes plus doués que je le pensais. Voyons maintenant comment vous allez vous sortir de cette maudite île. Bon, réfléchissons. Où trouver un chapeau maintenant? Ok. Clapou m'a raconté que Monsieur Zarbi, le directeur du cirque, avait une immense collection de chapeaux. Pas de temps à perdre. Direction Circus Land. Et comment tu comptes y aller? C'est pas toi qui portes encore des brassards dans la pataugeoire? Pas du tout. Regardez, il y a un bateau. Oula, mais il lui manque des pièces. Les enfants, nous avons besoin de vous pour retrouver toutes les pièces manquantes du bateau. Oui, elles sont éparpillées partout sur la plage. En vois-tu une? Oui, bien joué. Tu as trouvé le gouvernail du bateau. Pratique pour conduire. Chouette, mais il en manque encore. Ouais, super. Tu as déniché un drapeau, histoire d'avoir du style. Allez, courage, il n'en manque plus beaucoup. Oups, c'était juste une chaussette. Cela ne nous servira pas à grand chose. Mais si, je l'ai perdu tout à l'heure chez Barbe Rousse. Merci les enfants. J'espère que nous allons tout trouver. Ah oui, bravo. Tu as trouvé le mât du bateau. Super, plus qu'une. Allez, restons concentrés. Génial, tu as trouvé la dernière pièce. C'est l'ancre. Maintenant, nous devons replacer les parties du bateau que l'on a trouvées au bon endroit. Que devons-nous mettre ici? Oui, super. Et ici? Non, je pense pas que ce soit l'ancre. Oui, c'était le gouvernail. On continue. Et que doit-on mettre ici? Oui, c'est ici que va l'ancre. Il ne manque plus que le drapeau et le tour est joué. Bravo les amis! Grâce à vous, nous pouvons nous rendre à Circus Land. Arrivé. Maintenant, il faut trouver le dressing de Zarbi. Bon, séparons-nous. Carabouille et Alex, vous restez ensemble. Moi, je vais voir de mon côté. Pourquoi c'est toujours elle qui fait les plans? Mesdames et messieurs, Monsieur Zarbi Polaire. Bonjour mes amis bien-aimés, ce chapiteau est votre maison. Nous tenterons de vous faire aider, tout comme le veut la tradition. Je suis heureux
et souriant. Mais d'un coup je deviens méchant. Y a rien à faire. On dit que je suis Zarbi polaire. Au cirque de Monsieur Zarbi, le maître de cérémonie, les acrobates équilibrés s'éclairent de leurs talons la piste. Le numéro favori, en fou de jalousie, il veut transformer notre ami en marmelade en clapoutis, en marmelade en clapoutis. Il fait toujours bonne impression malgré tout le mal que je me donne pour faire échouer ses prestations. Même raté, les gosses se bidonnent. Les gens heureux, c'est très plaisant. Mais d'un coup je deviens méchant. Y'a rien à faire. On dit que je suis Zarbi polaire. Au ciel de Monsieur Zarbi, le maître de cérémonie, les acrobates équilibrés s'éclairent de leur talent la piste. Le numéro favori, en fou de jalousie, il veut transformer notre ami en marmelade en clapoutis, en marmelade en clapoutis. Trop de bonhomme que celui-ci, il est bizarre Monsieur Zarbi. Il est bizarre Monsieur Zarbi. On dirait que ma nouvelle tenue avance bien. Pour une fois qu'il serve à quelque chose, cela. J'ai tellement hâte d'avoir ma nouvelle robe sur mesure. Mandragotte! À nos moutons. Je vais t'apprendre à devenir aussi bling-bling que moi grâce à mon tuto spécial sac d'Halloween. Il te faut deux assiettes en carton, de la peinture, du ruban et pour finir, une agrafeuse et un ciseau. À utiliser avec vos parents, les mioches. Commence par découper les assiettes de la forme que tu souhaites. Pour ma part, ce sera en chat pour me rappeler mon maléfique petit caviar. Ensuite, peins une face de la couleur de ton choix. Une fois sec, n'oublie pas de faire l'autre côté. Ajoute les décors et les accessoires bling-bling que tu souhaites. Pour finir, demande à tes parents d'agrafer le tout ensemble et ajoute un ruban afin de faire une lanière à ton sac. Et le tour est joué! Envoie-nous ton plus beau sac en story Instagram avec le hashtag CapFunHalloween et tente de remporter un super déguisement de farfarole. D'ailleurs, si vous voulez être aussi classe que moi pour Halloween, ce sac s'accorde cruellement bien avec mon costume. Ou avec le mien. Assez papoté. Allons voir où est cette équipe de patates pourries. Ciao les nazes. Les amis, une légende raconte que le grand sorcier Amanite vivrait par ici. Mais oui, bien sûr. Et moi, je suis la reine de Farfarole. Oh, n'importe quoi. Bon, ouvrez bien l'œil. Nous devons trouver de quoi fabriquer les boucles d'oreilles pour finir cette fichue tenue et pouvoir rentrer à la maison. Bouh. Aïe. Oups, pardon Alex. Ça suffit. Sinon... Sinon quoi? Sinon... Rapide comme l'éclair, il change tout en pierre. 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 Je suis monstrueux et je suis vicieux. Amanite, le roi du mal. Que c'est réjouissant, un cœur si méchant. Amanite, le roi du mal. Quand je m'ennuie, je détruis des mollies. J'adore la peur, je sème la terreur. Bloquez mon chemin, je ne vous laisserai pas faire. Je vous transformerai en pierre. Je suis le roi du mal. Mes doigts sont magiques et maléfiques. Je n'aime pas la critique, ça me rend sadique. Je suis le roi du mal. Rapide comme l'éclair, il change tout en pierre. Je suis le roi du mal.
Mes doigts sont magiques et maléfiques. Je n'aime pas la critique, ça me rend sadique. Je suis le roi du mal. Ok, au moins c'est clair. Comment allons-nous lui échapper? Je vais essayer quelque chose. Les enfants, j'ai besoin de vous. Amanite est allergique aux fleurs roses. Et je connais un sort pour en faire apparaître. Mais je n'y arriverai pas toute seule. Vous allez devoir m'aider en répétant bien fort cette formule. Champ, prairie, forêt des bois, qu'une fleur rose vienne jusqu'à moi. Ok, Jean, Thierry et Robin des bois, c'est l'heure de la pause. Pourquoi je suis là? Alex, concentre-toi. Avec moi les enfants. Champ, prairie, forêt des bois, qu'une fleur rose vienne jusqu'à moi. Ça ne va pas se passer comme ça. Champ, prairie, forêt des bois, qu'une fleur rose vienne jusqu'à moi. Oui, ça marche. Rapide comme l'éclair, il vise comme grand-mère. Waouh, regardez, nous l'avons enfin trouvé. J'ai enfin réussi. Tu as réussi? Je te rappelle que c'est nous qui avons fait tout le travail, hein. Taisez-vous les nazes. Place à la magie.